bossais dans une agence de pub. J'avais un excellent poste comme directrice artistique senior. Le monde de la pub peut être un monde extrêmement attirant. Tu bosses avec des gens cool, tu travailles pour des grosses boîtes, tu vas sur des tournages, tu manges dans les meilleurs restaurants. Mais tu en deviens l'esclave. Et en fin de compte, ça devient ta vie. J'ai doucement senti que ça m'éloignait de mes valeurs personnelles, des choses auxquelles je croyais et de comment je voulais utiliser ma vie. Quand j'ai tout quitté, la première chose que j'ai faite a été de mettre mon art dans la rue. Je savais pas quoi faire d'autre que de sillonner les rues de la ville la nuit. D'afficher mes dessins partout sur les murs, que ce soit autorisé ou pas, que les gens veuillent le voir ou non. C'était ma manière à moi de me retrouver moi-même, entièrement. De ne plus avoir à changer ou à contenir qui je suis. J'ai pas vraiment de recettes dans ma manière de travailler. Mes opinions et mes coups de gueule grandissent doucement à l'intérieur de moi, basés sur ma vie de tous les jours et ce que je vois. La manière dont les médias dépeignent la femme et sa sexualité, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. L'importance de l'apparence. Une certaine idée préconçue d'être féminine. Ce sont des choses qui touchent profondément l'estime de soi. Et je pense que c'est un outil puissant qui a été utilisé pour garder le pouvoir sur nous. Et ça, ça m'enrage. Je suis pas en mission. Je fais pas la révolution. Non. Mon travail, c'est juste une contre-voix que je dresse face à un discours extra simpliste et opprimant des médias traditionnels et de la pub. L'art de Mesmi, c'est une manière pour moi d'amener un point de vue différent. Et de manière plus personnelle, c'est une quête d'authenticité et de libération.